Bonjour, je suis Francis Jacquet, votre formateur au bien-être. Aujourd'hui, la vidéo, troisième point de mon défi, 52 points d'acupressure pendant 52 semaines, un point par semaine. Aujourd'hui, comme promis, nous sommes au numéro 3 du défi, troisième point d'acupressure. Mais si vous regardez cette vidéo de ma chaîne YouTube, comme à l'accoutumée, vous êtes libre de télécharger mon PDF guide bonne vue, améliorer votre vue en 5 minutes par jour en cliquant sur le lien qui s'affiche ici en haut et à droite. Les deux derniers points que nous avons vus les deux dernières semaines étaient des points qui étaient situés sur le méridien du gros intestin. Ce méridien du gros intestin est lié à l'élément métal dans la loi des 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise. Nous allons rester dans l'élément métal en parlant du méridien qui est associé au gros intestin, qui est le méridien du poumon. Effectivement, les méridiens sont liés par couple entre les viscères creux et les viscères pleins, donc organes et entrailles. Tout d'abord, nous allons voir le trajet du méridien du poumon. Il est assez simple. Donc, je vous montre le méridien maintenant sur notre mannequin. Donc, le premier point ici du poumon, d'accord. Le point numéro 2, juste sous la clavicule. On passe devant l'épaule, on descend le long du bras. Sur le tendon externe, on continue le long de l'avant-bras, puis on va arriver au poignet ici. Maintenant, on passe sur la paume de la main et à l'angle ingual externe du pouce. Point numéro 11. Le trajet du méridien du poumon est assez facile à repérer. Alors, déjà la clavicule. Juste là, vous avez votre clavicule. Là, ici, vous avez un point, c'est le point numéro 2. Et juste, vous mettez les doigts comme ça, ici à peu près, vous avez le point numéro 1. Quand vous touchez, ici, vous allez sentir une petite pression, toute petite douleur, une petite pression, c'est le point numéro 1. Donc, il monte comme ceci, point numéro 1, point numéro 2. Il passe ici au niveau de l'épaule, continue le long de l'avant-bras, arrive dans le creux du coude, alors facile à repérer puisque c'est au niveau, vous avez des tendons ici au milieu, sur le tendon externe ici, le long. Il continue le long d'avant-bras, arrive ici à ce point au niveau du poignet, continue sa course en passant par là et finit ici à l'angle ingual externe du pouce. Point numéro 11. Donc méridien du poumon couplé au méridien du gros intestin, 11 points, point numéro 1, point numéro 11. Nous aurons l'occasion de voir d'autres points sur ce méridien. Aujourd'hui, le point que nous allons voir est un point très important à plusieurs titres. Il s'agit du septième point du poumon. Le septième point du poumon est assez facile à trouver. Il est au niveau de la scaphoïde ici, là où il y a un petit dévers. Pour repérer le point, c'est très facile. Ici, quand on a l'habitude avec l'index, vous pouvez descendre le long et dès que vous avez le petit décrochement à la scaphoïde, vous êtes dessus. Sinon, tout simplement, vous mettez votre main comme ceci, vous mettez votre autre main avec le pouce ici, avec l'index, tout simplement, vous posez votre index là, comme ceci. Et ici, vous avez votre point. Voilà, vous êtes en plein dessus. En plus de cela, vous allez sentir une petite douleur ou une petite pression et vous êtes sur le point numéro 7. Alors, que fait ce point-là? Quels sont les pathologies sur lesquelles ce point va pouvoir agir? En premier lieu, il va agir sur tout ce que le poumon peut avoir comme attaque au niveau des agents pathogènes externes, c'est-à-dire sinusite, rhinite, inflammation de la gorge, toux, asthme, congestion nasale, en fait toutes les maladies du poumon, vous aurez une action avec ce point numéro 7. Vous allez pouvoir dégager les voies respiratoires. La deuxième action de ce point P7, septième point du méridien du poumon, ce sera une action sur toutes les douleurs que l'on peut avoir au niveau de la tête, par exemple les céphalées. Donc vous pourrez travailler sur ce point tout simplement et vous tournez si possible dans les sens inverses des aiguilles d'une montre ou comme je vous disais l'autre jour, si vous ne savez pas, vous faites dans un sens et puis dans l'autre, dans le sens horaire et anti-horaire et vous y allez. Ou vous pouvez faire comme ceci aussi. Pourquoi ai-je choisi ce point numéro 7? Nous avions vu la première vidéo, le GI4, quatrième point du méridien du gros intestin. Le point numéro 7 est un point de liaison avec le méridien du gros intestin. Donc il y a une liaison entre le point
P7, le septième point du poumon, et le GI4, le quatrième point du gros intestin. Nous en arrivons tout naturellement à l'association clé du jour. Eh bien, nous allons travailler avec le P7, septième point du méridien du poumon, et le GI4, quatrième point du méridien du gros intestin, puisque tous les deux sont des points de communication entre eux. L'énergie de l'élément métal sera toujours présente, puisque nous restons dans l'élément métal de la loi des 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise. Donc vous allez pouvoir coupler ces deux points lorsqu'il y aura des douleurs au niveau de la tête, de la nuque, de la face ou de la bouche, puisque le P7 est le point maître de la tête et de la nuque, et le GI4 le point maître de la face et de la bouche. Donc chaque fois que vous aurez des douleurs situées dans une région au niveau de la tête, vous pourrez travailler sur ces deux points en même temps. Mais aussi, bien entendu, en cas de sinusite, de rhinite, de rhume des foins ou de nez bouché, vous allez travailler avec le 20e point du gros intestin pour déboucher. Et vous allez travailler sur les poumons avec le point numéro 7.